Sipley, on personnalise l'expérience d'achat des clients en magasin. À partir du moment donné où un client met un pied dans un point de vente, le vendeur, avec sa tablette vendeur, va pouvoir l'accompagner tout au long de son parcours d'achat jusqu'à l'encaissement et ainsi augmenter d'une part la satisfaction du client puisqu'on va pouvoir lui prodiguer des conseils personnalisés, donc lui proposer des produits qui correspondent à ses attentes et à ses besoins, et augmenter en fait son panier moyen puisque en proposant des produits additionnels et des produits complémentaires, on va pouvoir faire augmenter le chiffre d'affaires de nos clients, les retailers. Nous, on est un des outils de cette digitalisation des points de vente. Bien sûr, on ne va pas dire que ça se résume qu'à ça. On est un des grands outils, puisque les vendeurs équipés des tablettes avec notre solution dessus vont permettre justement d'augmenter à la fois le chiffre d'affaires de nos clients et surtout la satisfaction des clients en magasin. Alors, on voit plusieurs choses. D'une part, la fréquence des visites en magasin suite à un conseil d'un vendeur avec une tablette. On va pouvoir observer qu'en fait les clients vont avoir tendance à revenir très très souvent. Et surtout en termes de hausse du panier moyen, on va voir que pour un client conseillé par un vendeur équipé de la tablette, son panier moyen dans le temps va augmenter significativement, contrairement à un client qui n'a pas été conseillé. Pour aller récupérer en fait le parcours du client sur différents canaux, agréger ces données, surtout pousser les données pertinentes au vendeur qui vont permettre en fait de prodiguer les meilleurs conseils à son client. On est là pour accompagner nos clients. Accompagner, c'est à la fois les accompagner dans ce changement de ces points de vente et surtout les accompagner dans la formation des vendeurs. Alors, il faut noter aussi quand même que le travail qu'on a fait, puisqu'on a inventé Clienting en 2011, donc on a quand même 4 ans d'expérience dans le métier, le travail de nos ingénieurs est formidable, puisqu'aujourd'hui, quand on met l'outil dans les mains d'un vendeur, on peut voir, et pour nous c'est une très grande récompense, qu'en quelques minutes, le vendeur va pouvoir s'approprier l'outil, savoir comment l'utiliser. Donc on va en fait, ce qu'on propose aussi à nos clients, c'est de minimiser l'effort de formation et donc minimiser le coût de formation associé. Puisqu'on est dans une mentalité start-up, on est dans une taille de start-up. Aujourd'hui, on est considéré comme une PME par certains par le nombre d'expériences, parce qu'on est quand même en date de 2011. On a créé le clienting avec Sephora dans le monde en 2011, donc on a quand même 4 ans d'expérience. Donc on a l'ancienneté d'une PME et la mentalité et la souplesse d'une start-up qui nous permet en fait d'innover encore plus chaque jour.